Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve assise dans le foin, dans l'abri, parce que on vient de nourrir et il commence à pleuvoir. Du coup, je me suis posée là. Je filme avec mon téléphone, donc désolée s'il y a un petit changement de qualité. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de Bohème, tout juste derrière. Aline, d'amant, je t'en fais un bruit. Donc, je vous retrouve pour vous parler de Bohème. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose assez régulièrement, que je reçois assez souvent dès qu'on voit des vidéos de Bohème, ou même quand elle n'apparaît pas. On me demande régulièrement si un jour je vais monter Bohème, si elle va être débourrée pour être montée, etc. etc. Et je vais le dire une dernière fois, parce qu'il me semble que je l'ai déjà pas mal répété. Non, Bohème ne sera pas montée, tout simplement parce qu'on ne l'a pas achetée pour la monter, et aussi et surtout parce qu'en fait moi je suis trop grande ou elle est trop petite pour être montée. Enfin, nos deux tailles ne correspondent pas, et dans ma famille il n'y a personne qui pourrait être apte à la monter. Ma petite sœur, enfin... À l'époque, quand elle était petite, Bohème était trop jeune, et maintenant ma petite sœur est grande, donc elle est trop grande pour la monter. Voilà, donc voilà, Bohème, on fait juste du travail à pied avec elle, juste des balades à pied tranquillement. J'aimerais bien quand même réussir à la débourrer, par exemple à lui mettre un bas pour qu'elle puisse porter des choses lorsqu'on se balade, ou même dans des rêves très très lointains, pourquoi pas se mettre à l'attelage. Mais ça, c'est vraiment, déjà faut avoir des... Faut pouvoir investir dans tout le matériel, faut savoir débourrer, donc faut prendre des cours pour savoir faire, parce que moi je ne connais rien en attelage. Enfin voilà. Mais pour la question de est-ce que Bohème sera montée un jour, est-ce qu'elle est montée, la réponse est non. Par contre, je vous avoue que moi j'aimerais beaucoup beaucoup monter à dos d'âne, essayer, voir les différences, que ça change, etc. Je me rappelle que quand j'étais petite, il me semble que j'avais déjà monté des ânes en balade pour une fête, ou chez des gens, ou enfin... C'est assez flou, mais il me semble que j'ai déjà posé mes fesses sur un âne. Mais voilà, sur Bohème, je l'ai déjà fait juste dans le pré comme ça, où je me suis mis en sac à patates, où je suis montée genre 3 secondes sur son dos pour voir comment elle réagissait. Mais voilà, je peux pas la monter réellement, rester sur son dos, parce que ça lui ferait trop mal et enfin, c'est pas... ça n'irait pas. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve demain. Salut !